Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Nishmat, mon Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, ici, Menahou, Dassara, Batran, Rachel, Shlomo ben Esther, Shabbat, Chaim, Nechemia, ainsi que de Fouat, Avraham, Uri, Ben Reout, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishnah, pour faire 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Zvachim, Pere Gimel Mishnah, Hey, Ashochet et Hamukdashin, Le Echol, Shlil, O, Shilia, Bachutz, Lo, Pigel. Amolek Torin Bifnim Le Echol Beitzeem Bachutz Lo Figel Chalev Amukdashin U Beitze Torin En Chayevin Aleyen Mishum Pigul Ve Notar Ve Tame. On est encore dans les sugyot de Pigul, c'est-à-dire lorsque j'égorge un animal avec intention de le consommer au-delà des limites de temps permises, il y a un interdit de continuer ce korban, de le manger ensuite. Un interdit sur lequel on est passible de karet. On parle aussi de psoul, si on a eu l'intention de le manger au-delà des limites d'espace permises. On apprenait maintenant qu'il faut nécessairement penser, c'est-à-dire l'intention qui est invalide doit nécessairement être une intention de manger quelque chose qui est consommable de l'animal. On a appris dans la Mishnah précédente des parties de l'animal qui ne sont pas considérées comme de la chair, en l'occurrence on évoque le cas des cornes. Maintenant, dans notre Mishnah, on va parler maintenant d'autres choses. On va parler de qu'est-ce qui se passe s'il y a un fœtus dans le ventre et qu'on a l'intention de manger le fœtus au-delà des limites de temps permises. Ou si c'est des tourelles, par exemple, des torim ou bnei yona, des fois on apporte aussi des oiseaux, des volailles sur l'autel, et on a l'intention de manger les œufs qui sont à l'intérieur au-delà des limites de temps ou d'espace permises. Est-ce qu'il a rendu pigoule ou non? La Mishnah va nous dire non, il n'a pas rendu pigoule. Et s'il les consomme, il ne sera pas possible de karet. Et on fait tout ça dans les mots, et vous allez voir, ça va aller vite, Bezrat Hashem. Ashochet et Hamukdashin. Celui qui égorge un sacrifice. On va expliquer le mot Mukdashin à la fin du jour. Une petite remarque jolie qui est marquée dans le Barthénoir. Pour le moment, on reste sur le fil de la Mishnah. Ashochet et Hamukdashin. Celui qui égorge un korban. Lechol, Shelil, Veshilia, Oshilia. Avec intention de manger. Le shlil, c'est le fœtus. Oshilia, c'est le placenta. D'accord? La poche. Il y a une différence entre les deux. Le fœtus, c'est le bébé lui-même. Donc on aurait pu croire que c'est quelque chose d'externe. D'accord? On aurait pu dire que, bon, c'est normal. Le fœtus, c'est quelque chose d'externe à l'animal. Mais la shilia, c'est une membrane qui appartient encore à la mère. Et bien la Mishnah vient nous dire, dans tous ces cas, malgré tout, il n'y a aucune différence. Si elle avait l'intention de les manger bachutz, à l'extérieur des limites d'espace permises, Lo pigel, il n'a pas rendu l'animal, le corban pigoul, étant donné qu'il n'a pas eu d'intention de manger la chair de l'animal lui-même. D'accord? C'est quelque chose d'extrinsèque, c'est plus quelque chose qui est considéré comme l'animal lui-même. Ok? Ensuite, d'accord, c'est déduit d'un pasouk, c'était rapporté, je l'avais vu, ça se trouve ici dans le Tifat Israël. Je ne le retrouve plus, mais c'est pas grave. Misevach shalama, il y a un pasouk comme ça qui nous dit qu'il faut nécessairement la chair elle-même. Ok? Idem, hamolek torin ubne torin bifnim lechol beitzein bachutz lo figel. Idem encore si c'est des torim. Les torim, on a dit, c'est les tourelles. Et il y avait dedans des beitzim, ils sentaient que la femelle, elle était un peu bien remplie. Ils ont dit, ah, c'est super, il y a des œufs, comme ça j'aurai mon œuf de près pour après-demain. Pour demain matin, le surlendemain quoi. Alors, dans tous ces cas-là, de nouveau, donc je fais ça dans les mots, Amolek Torin Bifnim, celui qui, Amolek c'est qu'il il abat, mais c'est pas égorgé. On apprendra, Bezrat Hashem, dans quelques prakim, que les volailles au Beit HaMikdash n'étaient pas égorgées avec un couteau, mais plutôt avec l'ongle des Kohanim, un rituel assez original, en tout cas ce qu'on appelle la Melika, d'accord? C'est qu'on l'abat, pas avec un couteau, mais plutôt avec l'ongle. Amolek Torin Bifnim, donc celui qui abat le Torin, la tourelle, à l'intérieur du Beit HaMikdash, aval les Chol Betzen Bachutz, avec intention de manger ses œufs Bachutz, au-delà des limites permises. Alors, Lo Figel, il n'a pas invalidé le Korban, il pourra être mangé et consommé comme il faut. Il n'y a pas de rapport, c'était quelque chose d'externe à l'animal. Ensuite, Chalev Amukdashin ou Beitze Torin.
le lait des animaux, des sacrifices. Donc si c'était une femelle, par exemple, une vache, il a égorgé une vache en shlamim, pas en hola, parce qu'en hola, il faut nécessairement un mâle et pas une femelle. Donc il a égorgé une vache en shlamim. Chalev amugdashin ou beitze tourin. Et les œufs des tourelles. La Mishnah nous dit, en chalevin elen mishum pigul venotar vetame. On n'est pas passible, si on les consomme, on n'est pas passible de... On ne transgresse pas avec eux, ni l'interdit de pigoul de manger un animal qui était égorgé, c'est-à-dire, il y avait un corban shlamim, j'avais 2 jours pour le consommer, et lorsque je l'ai égorgé, je me suis dit, ben non, je vais le manger tout le corban, même en 3 jours. Donc j'ai rendu le corban invalide. Une fois que le rave de la Zara, il m'a dit, hey, tu as mal fait le corban, il faut aller le brûler, c'est fini, tu ne peux plus le faire en corban. J'ai dit d'accord, mais j'ai remarqué qu'elle avait les mamelles bien pleines, les pieds pleines, et je me suis rempli un petit verre de lait. Et je l'ai bu. Est-ce que j'ai transgressé l'interdit de consommer un pigoule? La Mishnah m'enseigne non. Idem pour l'interdit de notar, c'est-à-dire si toutefois j'ai sorti le lait et après j'ai égorgé et après on a. Ouais, une fois qu'on a fait le corban comme il fallait. Au moment de le dépecer, de le partager en parts, j'ai vu que là-bas il y avait du lait à l'intérieur, je me suis rempli un verre de lait et je l'ai gardé pour le lendemain. Je suis bassari aujourd'hui, donc il fallait que je le garde pour le lendemain, par exemple. Alors de nouveau, il n'y aura pas en cela un interdit de notar, de manger un animal qui est resté, qui a dépassé les limites permises. Vétamé aussi, si toutefois je donne ce verre à boire à quelqu'un qui est impur, alors il ne transgresse pas l'interdit de tamer de la personne impure qui mange un animal kadosh, étant donné que c'est plus considéré comme une partie intrinsèque de l'animal. Une précision jolie rapportée dans le Barthénora, c'est une bonne connaissance à savoir, c'est que, à chaque fois, dans les corbanotes, il y a des mâles et des femelles, selon les limites permises. Des fois, il faut nécessairement un mâle, des fois, il faut nécessairement une femelle, des fois, on peut faire ce qu'on veut, nous, on a l'occasion d'apprendre. Lorsque vous voyez dans la Mishnah le mot mukdashin, alors on ne fait pas allusion à tous les sacrifices, mais uniquement les sacrifices qui sont femelles. Je ne connais pas la raison. Je lui dis juste ce qu'il y a écrit dans Barthénora. Regardons, on n'a qu'à le faire dans les mots, ce petit Barthénora. « Achofet et amugdashin, celui qui égorge les animaux sanctifiés. « Kolecha de nakat ha'ilishna, tous les lieux où on a pris cette terminologie de dire mugdashin, « Maire banekevot, on parle de femelles. » Ok ? Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.